C'est rien du tout, notre petite lampe là. Petite lampe stylée, lumineuse et tout. Et puis, un petit dossier. On va dire le dossier, ça a été Versace, des plantes psychoactives. Ok, Joan de White. Faut que je trouve un copain. Ok, toujours pas de puce. Toujours pas de puce. Ah, un dossier. Expédition Antarctique Outpost, déclaration de consentement, en signant le présent document, vous consentez aux conditions, si après, toute fausse déclaration effectuée volontairement, consentement par la présente à effectuer mes tâches quotidiennes au milieu de mes capacités, à en remettre au jugement du chef de l'expédition, Dr. Faust. Ah, le voilà, mais pourtant il n'a pas de casier. Il a participé à une série de séances médicales nécessaires à notre mission de risques inhérents à la participation aux dites séances médicales m'ont été expliqués en détail, toute question de ma profession est claire. Ok. Donc je suis là de mon propre chef et je prends ces pilules de merde de mon propre chef, painkiller. Je sais pas ce que c'est le painkiller. Certainement un médoc américain. Coincé. Mais non, par contre, quand c'est coincé, on pourra presque la défoncer. Hein. Storage. Pareil. Allons manger un petit morceau. Un truc qui m'intéresse de l'autre côté. C'est bizarre qu'on peut pas l'ouvrir. Ça s'ouvre pas. Non, première vue, ça s'ouvre pas. Oh, smells awful in here. Mais c'est pas aimé depuis combien de temps? Oh, mais c'est dégueulasse. Mais je suis là depuis combien de temps en fait? Herbal sugar, ouais. Oh, ok, ça me dirait qu'il va y avoir. Coffee, on peut peut-être se faire un petit café. Non, non, pas de petit café. En tout cas, rien à prendre. Pas de loot ici. Ils étaient en train de manger les mecs quand ils sont partis. Quand ils sont. Est-ce que c'est un homme ça qui est par terre? Vraiment en précipitation. On peut attaquer ou je sais pas. L'intrigue se lance. Bon, laissons ouvrir. Storage était lock. C'est quoi, nous aura mis plein de boîtes comme ça à ouvrir mais qu'on peut rien faire. Locked. Et quand est-ce qu'on trouve une clé? Nous a profondément perturbé. Moi aussi. Pour remonter, on va pas remonter tout de suite, inutile. Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est plus sympa que ça en a l'air. It's stuck. Ok, je te vois. Bon, continuons à fouiller ici. Hein. It's stuck. Toujours fermé. Une porte s'est ouverte ici. Avec des champignons hallucinogènes, les fameux champignons qu'on a eus. Oh. Il faut un cylindre photographique. Ok, je suppose que le cylindre. Ok, I need something to get it open.
fuite à première vue. On peut rien prendre dedans. C'est chiant la fin. Fermé. Fermé aussi. Un cylindre phonographique. Allons chercher ça. C'est pas à côté par hasard. Une note. Docteur Fosse refuse Mordicus de révéler. Mordicus! Et comment il a débouché sur cet étrange appareil de son invention. Il se contentait d'évoquer de sombres grimoires internes décrivant un appareil d'origine extraterrestre. Mais là encore, rien dans ses sources n'a jamais laissé supposer qu'il aurait existé sur Terre. Sinon, dans les rêves de qui avait trop mâché de certaines armes alcaloïdes, nos séances dans la salle de réunion afin d'adapter nos systèmes nerveux aux impulsions étrangères de la machine de haut. Je me suis accoutumé à ces sensations. Je commence à avoir l'impression que l'appareil éclaircit mon esprit. Ce n'est pourtant pas là le plus étrange de ces séances en raison de leur caractère collectif. Je parviens à capter des impressions, des idées et même souvenirs qui sont ceux des autres participants. Intéressant. D'ordinaire, mon esprit vagabonde après la fin d'une séance. Il me faut plusieurs heures de sommeil pour pouvoir de nouveau poser. Bon, malgré tout, malgré les effets de cet étrange appareil sur mes pensées, je reste persuadé qu'il demeure une importance capitale. 2 sur 2. D'accord. Ok. Je comprends. Bon, faut que je trouve ce truc-là. Hop là, là on tourne en rond du mauvais côté. Stop. Ouais, sans douter, on sait pas trop ce que c'est que ça. Est-ce qu'il y a une porte? Bon, voilà, à côté. Glow Soper. D'accord, c'est marrant. Ça fait pousser un arbre en plein milieu. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais. Est-ce qu'on peut le. Non. Bon, essayons de trouver. L'élévateur, donc ça c'est. Danger. Il n'y a rien à faire. Encore l'ascenseur. Looks like I need something to get this elevator to work. Pour faire fonctionner ce truc. Alors dis-moi, c'est marqué quoi? L'ascenseur de l'entre-deux a été aménagé. Il peut maintenant atteindre la tour et les niveaux inférieurs sous la base. L'équipement du camp et les pièces de sous-marin. Les sous-marins portables vont être transférés au premier site. Ok. Tower, caverne et base. Ok. Bah écoute, je suis content, mais où est-ce que je peux trouver ce truc? Ah, attends. Je crois savoir. Je vais récupérer l'autre manette. C'est pas ici. Et le monde est fermé. Est-ce qu'on peut prendre la manette? Ou est-ce que ça l'active? J'ai bien peur que ça l'active. Ça me chatouille un petit peu le. Ah, mais attends. C'est pas l'ascenseur. Si, c'est l'ascenseur là. Ouais, alors là, je vois plus trop là. Là, c'est la porte. Et là, c'est fermé, c'est ça? Ouais. Pourtant, c'est le dépôt. Comment on fait? Ça, on verra bien ce que ça donne.
discrètement. De quoi l'ouvrir? Eh ben, de quoi l'ouvrir, ouais. C'est merveilleux tout ça. Mais... Ok, ça m'aide pas beaucoup. L'un de nos chercheurs est à ça, docteur, on procédera prochainement à une autopsie. Ça m'aide pas du tout. Est-ce qu'il faut que je remonte? Pour aller voir l'infirmerie, qu'est-ce que ça donne? Bon, et tu sais ce qu'on va faire? On va se risquer à prendre l'ascenseur, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas trop le choix. J'ai qu'une porte qui s'ouvre et au côté c'est un ascenseur. Ouais, c'est ça. Y'a rien d'autre qui s'ouvre. Thank you.
porte se ferme derrière. Ah ouais, les portes se referment derrière, c'est pour ça. Ok. Là, je sais plus trop où est-ce que je suis. Infirmerie, voilà, c'était ça que je voulais voir. De battre. Dans 1h45, sa température était glaciale, je ne discernais pas de paume. Je m'apprêtais à effectuer un massage cardiaque. Il a brièvement ouvert les yeux, je ne saurais dire combien de temps il restait en état de mort clinique, 5 minutes tout au plus, c'est alors que ça reproduit un événement terrifiant. Autrefois, les paroles de Franck a adressé directement au docteur Frost juste après son réveil. Je ne sais comment l'expliquer car sa voix était étouffée au point d'être quasi inaudible. Mais je demeure convaincu que ce n'était pas celle de Franck. En tant que professionnel médical, je dois reconnaître que ce n'est pas totalement impossible pour que quelqu'un... Mais quelque chose n'était pas naturel dans ce que j'ai entendu. C'était un son comme jamais les cordes vocales humaines ne pourraient en produire. Ah d'accord, mais il s'est réveillé, il n'est pas mort. Ok. Des gants. Ok. Rien pour me faire avancer. Décidément, il n'y a vraiment rien ici. Je suis un peu perdu là. Ici, on a déjà fait le tour et rien du tout encore. Sa clé. Ça commence à me chatouiller. J'ai rien dans mon inventaire. Non, j'ai juste. It's locked. His coat is just right here. Where is he now? Mais je sais pas. What? C'est qui? C'est Lenin qui meurt. Ok. Je peux pas prendre un crayon là. Locked. If his coat is just right here, where is he now? Privé trouble. J'ai pas été ici.